Bonjour tout le monde, je vous attendais, j'espère que vous allez bien. Alors je suis sûr que parmi les produits de fête que vous aimez retrouver, il y a le saumon. Alors attention, hein, vous êtes au courant, on entend beaucoup de choses sur le saumon et à juste raison, donc il faut bien le choisir. Une belle provenance, Écosse ou Irlande, et bio tout de même de préférence. Et pour qu'il ait de l'allure, je vais le mettre dans un beau costume de pâte feuilletée. Et pour qu'il se sente moins seul, un légume qu'il adore, un beau bulbe de fenouil qu'on va émincer finement. Son petit goût anisé avec la douceur du saumon, ça va être parfait. Un beau disque de pâte feuilletée, au passage, hein, je vous le redis, il y en a de la très bonne surgelée, il n'y a pas de conservateur, au moins dans celle-ci. Et regardez, je mets du fenouil par-dessus. L'herbe à saumon, c'est comme ça que je l'appelle, la nette, elle lui va très bien. Le pavé de saumon, vous avez vu, hein, bien épais, c'est pour qu'il ne soit pas sec à la cuisson. J'assaisonne, redu fenouil et de la nette. Et maintenant, regardez bien, je vais faire des bandelettes pour recouvrir mon saumon comme un tressage. Du jaune d'œuf pour que ça dore. Et aussitôt, sur une plaque bien chaude pour saisir au four, 20 minutes à 180 degrés. N'oubliez pas, aujourd'hui, nous vous offrons trois cadeaux incroyables. Un crossover d'une valeur de 22 000 euros. Un chèque de 1 500 euros par mois pendant un an. Un an de loyer ou de crédit, trois cadeaux, trois gagnants, trois fois plus de chances. Pour participer au tirage au sort, c'est simple, vous envoyez le mot Noël par SMS au 73030 ou alors vous appelez le 3980. Attention, vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Pour la verdure, quelques feuilles d'épinards crémées et citronnées, le feuilleté au saumon par-dessus, et bien voilà, franchement, c'est pas compliqué de se faire plaisir. Et bien entendu, cette recette également marche avec de la truite. Bonne fête et à bientôt. C'était Petit Plan.